Mais bien-aimés, ne vous découragez pas, car l'Éternel agira en votre faveur. Oui, il y a encore de l'espoir. Vous allez renaître de vos cendres. Encore un peu de temps et vous verrez la gloire de Dieu se lever sur vos vies. Nous allons maintenant prendre quelques instants ensemble pour remettre nos situations entre les mains puissantes de notre Dieu, pour rechercher sa face et son conseil et élever son saint nom sur nos vies. Mon frère, ma sœur, reste connecté avec moi jusqu'au bout, car à la fin de cette vidéo, je prierai pour toi afin que l'Éternel étende sa main puissante sur ta situation que tu vis en ce moment. Seigneur, je viens devant le trône de ta grâce, assemblée avec mes bien-aimés, pour te remettre ce moment de prière que nous allons prendre tous ensemble pour nos propres vies. Seigneur, daigne poser ton regard d'amour sur chacun d'entre nous et exauce-nous du haut des cieux, pendant que nous te prions, pendant que nous recherchons ta face et ton conseil pour nos situations. Seigneur, nous avons conscience que rien ne peut égaler la puissance que dégage la parole de Dieu lorsqu'elle est relâchée sur nos vies et nos circonstances. Tu as dit « Levez vos yeux en haut, vers le ciel, et regardez. Qui a créé ces choses, les étoiles? Qui fait marcher en ordre leur armée? Qui les fait défiler en bon ordre comme des soldats? Qui les fait sortir au complet comme une armée en pleine parade. Celui qui les appelle toutes par leur nom. Sa puissance et son pouvoir sont si grands qu'aucune étoile ne manque à l'appel. Pas une ne fait défaut. Pourquoi Israël, peuple de Jacob, pourquoi est-ce que tu te plains en disant « Ma destinée est cachée devant l'Éternel. Le Seigneur ne voit pas ce qui m'arrive. » Mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Il ne me défend pas. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Le Seigneur est Dieu depuis toujours et pour toujours. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu donc pas entendu dire? Le Seigneur est Dieu. De siècle en siècle, il a créé la terre d'une extrémité à l'autre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. Il a créé toute la terre. Il ne manque jamais de force, il n'est jamais fatigué. Jamais il ne faiblit, jamais il ne se lasse. On ne peut sonder son intelligence. Non, personne ne peut mesurer la profondeur de son intelligence. Son savoir-faire est sans limite. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Il redonne des forces à celui qui en manque. Qui est là et qui faiblit. Et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance et qui est fatigué. Il redonne du courage à celui qui est épuisé et il remplit de vigueur celui qui n'en peut plus. Les adolescents se fatiguent et se lassent, ils s'épuisent. Les jeunes gens eux-mêmes deviennent faibles et se fatiguent. Ils connaissent la défaillance. Les jeunes hommes chancellent, même les meilleurs tombent. Et même les plus robustes tombent. Oui, même les champions trébuchent parfois. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ceux qui mettent leur espoir dans le Seigneur et qui comptent sur lui reçoivent de nouvelles forces. Ils s'envolent et s'élancent comme des aigles. Oui, ils prennent leur envol comme de jeunes aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils courent sans jamais se fatiguer, sans jamais en avoir assez. Ils marchent et ne se fatiguent point. Ils avancent sans s'épuiser et sans faiblir. Oui, ils marchent de l'avant et rien ne les arrête. Seigneur, tu ne prends point plaisir à la souffrance de tes enfants. Tu n'oublies aucun de ceux qui marchent dans tes voies, qui craignent ton saint nom et qui s'éloignent du péché. Seigneur, tu ne fermes point tes oreilles à tes enfants qui crient à toi jour et nuit. Voilà pourquoi nous nous présentons devant toi en ce jour. Mon frère, ma sœur, si tu es accablé, affligé, découragé et oppressé de toutes parts en ce moment, et si tu es à la recherche de réponses face à ta situation, celle que tu traverses en ce moment,
Si toi aussi, tu as besoin d'une manifestation divine dans tes circonstances, alors écoute ceci. Reçois ces paroles pour ta vie. Dieu va agir en ta faveur. Dieu va agir en ta faveur. Dieu accomplira ses promesses sur ta vie. Dieu est en train de tracer un chemin précisément là où il n'y a rien. Il le fera pour toi. Il le fera avec toi. Non, tu ne passeras pas à côté de ta destinée. Je le déclare et je le confesse, tu ne passeras pas à côté de ta destinée, car Dieu va agir en ta faveur. Écoute bien ceci. Nous déclarons bien souvent que Dieu reste le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas. Il n'y a pas l'ombre d'une variation en lui. C'est ce que nous disons, n'est-ce pas? Mais as-tu véritablement conscience de la portée de ce passage de l'Écriture? Si Dieu ne change pas, s'il reste le même pour toujours et pour toute l'éternité, si en Dieu il n'y a pas l'ombre d'une moindre variation, pas le moindre changement, s'il ne change pas de position ou d'avis comme le font les hommes, alors avec quelle crainte marchons-nous? Pourquoi s'inquiéter? Pourquoi se lamenter? Pourquoi se décourager lorsqu'une promesse tarde à s'accomplir? Dieu se jouerait-il de nous en prononçant des paroles vaines sur nos vies? Ou encore prend-il plaisir à nous voir nous décourager lorsque sa promesse à notre égard n'a pas encore été réalisée? Certainement pas, mes bien-aimés. Certainement pas. Dieu ne ment pas. Et toute parole qu'il prononce sur nos vies atteindra le but pour lequel elle a été envoyée. Tôt ou tard, cela arrivera. Cela s'accomplira. Ce qu'il dit, il l'accomplit. Ce qu'il ordonne arrive, c'est certain. Alors, mon frère, ma sœur, relève ta tête. Reprends courage. Sèche tes larmes et fixe de nouveau ton regard sur ce Dieu qui tient ses promesses. Dieu n'est-il pas intervenu en faveur de Sarah, Rebecca, Rachel, Anne, Élisabeth? N'ont-elles pas toutes été exaucées? N'ont-elles pas toutes eu leur enfant? Voyez ce qu'il est dit. L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah. Et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile. Et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Dieu se souvient de Rachel, et il l'exauça et il la rendit féconde. Ils se levèrent de bon matin, et après s'être prosternés devant l'Éternel, ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Elkana connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Lorsque ses jours de service furent écoulés, il s'en alla chez lui. Quelque temps après, Élisabeth, sa femme, devint enceinte. Oui, mes bien-aimés, nous servons un Dieu fidèle qui ne manque jamais d'accomplir toutes ses promesses à notre égard. Et si tu n'es toujours pas convaincu, après tout ce que je viens de dire, alors écoute bien ceci, afin que ton âme se fortifie davantage et reçoive la révélation de la bonté et de la grande fidélité de notre Dieu. Dieu n'est-il pas intervenu en faveur de Joseph, en le sortant de la prison et en le faisant devenir gouverneur? Je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Pharaon dit à Joseph, « Vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. » Dieu n'est-il pas intervenu en faveur de son peuple en le délivrant de l'esclavage en Égypte et en noyant ses oppresseurs dans la mer? À la veille du matin, l'Éternel, de la colonne de feu et de la nuée, regarda le camp des Égyptiens. Il ôta les roues de leurs chars et en rendit la marche difficile. Les Égyptiens dirent alors, « Fuyons devant Israël, car l'Éternel combat pour lui contre les Égyptiens. » Mon frère, ma sœur, Dieu n'est-il pas intervenu en faveur de Daniel et ses amis, en les faisant sortir sains et saufs de la fournaise ardente et de la fosse aux lions?
Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, « N'avons-nous pas jeté au milieu du feu trois hommes liés ?» Ils répondirent au roi, « Certainement au roi. » Il reprit et dit, « Eh bien, je vois quatre hommes sans lien, qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du quatrième ressemble à celle d'un fils des dieux. » Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente et prenant la parole, il dit, « Shadrach, Meshach, Abednego, serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez. » Et Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du milieu du feu. Les satrapes, les intendants, les gouverneurs, les conseillers du roi s'assemblèrent et virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes et que les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés, que les caleçons n'étaient point endommagés et que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule au lion qui ne m'a fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui et devant toi non plus, ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. Mais bien-aimé, Dieu n'est-il pas intervenu en faveur d'Esther en lui faisant trouver grâce aux yeux de tous ceux qui la voyaient? Lorsque son tour d'aller vers le roi fut arrivé, Esther, fille d'Abishaïl, oncle de Mardoché, qu'il avait adopté pour fille, ne demanda que ce qui fut désigné par Hegai, eunuque du roi et gardien des femmes. Esther trouvait grâce aux yeux de tous ceux qui la voyaient. Même auprès du roi, qui l'a choisie comme épouse, le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes et elle obtient grâce et faveur devant lui plus que toutes les autres jeunes filles. Il mit la couronne royale sur sa tête et la fit reine à la place de Vasti. Mais bien-aimé, Dieu n'a-t-il pas intervenu en faveur de Job en mettant fin à ses souffrances? Ne l'a-t-il pas rétabli dans tous les domaines où il fut oppressé en lui accordant au double de tout ce qu'il avait possédé? La Bible nous dit qu'il reçut de la main de l'Éternel plus de bénédictions qu'il n'en avait reçu dans sa première condition. L'Éternel rétablit Job dans son premier état. Quand Job eut prié pour ses amis, et l'Éternel lui accorda au double de tout ce qu'il avait possédé. Le Seigneur Jésus n'a-t-il pas guéri une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans? Voici une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement. Car elle disait en elle-même, « Si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guérie. » Mais bien-aimé, le Seigneur Jésus n'a-t-il pas guéri une femme courbée depuis 18 ans? Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. N'a-t-il pas guéri l'aveugle Bartimée, les 10 lépreux? N'a-t-il pas ressuscité Lazare d'entre les morts? Et fait encore tant et tant de miracles qu'il nous serait impossible de les énumérer, tant le nombre en est immense. Autant de références de l'intervention de Dieu en faveur de ses enfants. Nous pourrions passer des jours et des jours entiers à énumérer la grande fidélité de notre Dieu, tant la compassion qu'il a envers ses enfants est grande, mes bien-aimés. Alors, mon frère, ma sœur, aussi difficile soit ta situation, pense à tout ceci et dis-toi que si Dieu est ainsi intervenu dans le passé envers chacun d'entre eux, comment pourrait-il en être autrement à ton sujet? Voilà pourquoi je te dis encore une fois, prends courage, car toi aussi tu seras exaucé. Il agira aussi en ta faveur, mon frère, ma sœur. Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dieu agira aussi en ta faveur. Dis-le avec moi. Confesse-le avec foi dès aujourd'hui. L'Éternel agira en ma faveur. Confesse-le autant de fois qu'il le faudra à mon frère, ma sœur, jusqu'à ce que cette parole descende dans le plus profond de ton âme et déracine toutes les semences de doute qui étaient en train de t'éloigner du plan que Dieu a en réserve pour toi.
Mais bien-aimés, ne vous laissez pas emporter par les doutes et les peurs qui essayent de faire naufrager votre foi. Car la peur chasse la foi, mais la foi chasse la peur. Alors, fortifie-toi, mon frère, fortifie-toi, ma sœur, et déclare-le encore une fois avec moi, « L'Éternel agira en ma faveur. » Seigneur Dieu éternel, ta bonté dure toujours. Tu n'abandonnes pas les œuvres de tes mains. Seigneur, tu finiras ce que tu as commencé en moi. Seigneur, ton amour est pour toujours. Tu n'abandonnes pas ceux que tes mains ont formés. Seigneur, tu feras cela pour moi. Toi dont l'amour n'a pas de fin, tu n'abandonnes pas maintenant ceux que tu as créés de tes propres mains. Oui, l'Éternel agira en ma faveur. Ton amour, ô Éternel, dure toujours. Le Seigneur me soutiendra et il agira en ma faveur. Seigneur, ta grâce dure pour toujours, car tu ne laisses pas inachevé ce pour quoi tes mains ont tant œuvré. Seigneur, j'ai confiance en toi et je sais que tu peux faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Oui, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations et au siècle des siècles. Mon frère, ma sœur, Dieu sait que parfois tu as l'impression que tu as traversé trop de déserts, les uns après les autres, sans jamais trouver un moment de repos dans tes circonstances désastreuses. Il sait aussi que parfois, tu as même l'impression qu'une montagne s'est dressée sur ta route et qu'elle reste là, immobile devant tes yeux. Pourtant, tu as imploré le ciel. Tu as prié Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Tu as demandé à ce qu'un miracle s'opère dans ta situation. Et pourtant, le ciel semble rester fermé. Il ne s'est pas ouvert pour toi. La montagne ne s'est pas déplacée. Et tes circonstances n'ont pas changé. Et parfois même, cela a empiré. C'est alors que les pourquoi, que les comment se sont multipliés dans tes pensées, mon frère, ma sœur. Que les peurs, les doutes, les incrédulités ont commencé à détruire ta foi. Comme le venin envahit la personne qui vient de se faire mordre par un serpent. La souffrance s'est présentée dans ta vie comme un ennemi redoutable qui a tout dévasté sur son passage. Et elle a tenté de te faire oublier que ton Dieu avait un amour infini envers toi, qu'il a donné sa vie pour toi. Il t'aime tant qu'il a racheté ta vie au prix de son sang versé à la croix pour le pardon de tes péchés et pour la guérison de tes infirmités et de tes maladies. Cet amour qu'il a démontré et qui est aussi vaste que la mer et aussi profond que l'océan, cet amour que personne ne peut égaler, imaginer ou même éprouver à notre égard. Oui, mon frère, ma sœur, Dieu connaît toutes tes larmes, toutes celles que tu as versées, toutes les difficultés que tu as supportées, tous les défis que tu as relevés et tous les combats que tu es en train de mener. Il sait combien de fois tu as espéré voir un miracle dans ta vie, voir le soleil se lever au milieu des orages de ta vie. Mais rien ne s'est passé et le désespoir s'est installé jour après jour. Maintenant, tu es découragé car tu crois que Dieu t'a oublié. Toutes les circonstances que tu as affrontées t'ont dérouté. Tu ne sais plus où te tourner. Tu ne sais plus comment avoir confiance en celui qui semble t'avoir oublié, rejeté, abandonné. Et maintenant, tu crois qu'il n'y a plus d'espoir, plus aucun espoir de retrouver ton chemin, qu'il est trop tard pour toi de revenir dans la volonté de Dieu. Tu as l'impression que tout est fini et que plus rien ne changera, plus rien ne pourra être réparé. Mais c'est faux. Mon frère, ma sœur, je suis ici pour te dire, c'est faux. Dieu ne t'a pas oublié. Il ne t'a pas rejeté. Il ne t'a pas abandonné. Tout cela n'est que mensonge. Fausseté, ce venin qui t'empoisonne. Dieu travaille pour ton rétablissement. Il n'en a pas fini avec toi. Il n'a pas dit son dernier mot sur ta vie. Il a encore quelque chose à faire avec toi. Oui, il agira en ta faveur. Il fera concourir toutes choses pour ton bien. Toutes ces circonstances qui sont devant tes yeux ne sont pas la finalité de ton existence. Elles ne détermineront pas ta destinée. Celle que Dieu a préparée
pour toi. Et aussi grand soit ton désert, Dieu ouvrira une source d'eau vive qui t'abreuvera jusqu'à ce que tu en sortes victorieux. Aussi grave soit ta maladie, Dieu posera sa main sur toi et guérira chacune de tes cellules défectueuses pour que tu sois un témoin de sa puissance. Aussi forte soit la tempête par laquelle tu passes en ce moment, mon frère, ma sœur, Dieu se lèvera et ordonnera à ses anges de te garder pour que tu passes sur l'autre bord. Aussi brûlante soit ta fournaise, mon frère, ma sœur, Dieu a dit que la flamme ne te brûlera pas et le feu ne te consumera pas. Mon frère, ma sœur, n'oublie jamais que toutes ces épreuves par lesquelles tu passes ne sont pas faites pour te détruire, mais pour te purifier, comme l'or passe par le feu, pour ne retenir que ce qu'il y a de meilleur en toi. Ainsi, au milieu de ton épreuve, Dieu te prouve sa grandeur. Au milieu de ton épreuve, il te prouve qu'il est ton seul appui, ta force, ton libérateur. Au milieu de ton épreuve, il renforce ta persévérance, ton endurance, ta fidélité. Oui, mes bien-aimés, l'épreuve épure notre foi et la rend inébranlable. Mon frère, ma sœur, j'ai cette assurance qu'au moment même où tu écoutes cette prière, pour comprendre la raison qui t'a fait échouer tant et tant de fois, et comment faire pour revenir auprès des plans de Dieu dans la maison du Père, eh bien, tu reçois ta réponse. Tu reçois la clé de ton problème. L'espoir est en train de renaître au milieu de tes cendres, au milieu des cendres de ta vie. La petite étincelle qui était en toi n'a pas cessé de briller. Elle est encore là. Et plus tu écoutes ces paroles, et plus elle reprend de la force et de la vigueur en toi. L'ennemi n'a pas pu éteindre la petite braise qui subsistait en toi. Dieu va agir en ta faveur. Sois-en convaincu, mon frère, ma sœur. Entends ces paroles et fais-les descendre dans le plus profond de ton âme. Dieu va agir en ta faveur. Tu vas renaître de tes cendres, encore plus fort qu'auparavant. Il n'a pas dit son dernier mot sur ta vie. Maintenant, il redonne de la force à tes membres affaiblis. Il augmente la vigueur de ton esprit découragé. Et il fait fuir toutes tes peurs, tous tes doutes, toutes tes angoisses. Car une fois de plus, Dieu t'a montré qu'il prend bien soin de toi. Oui, mon frère, ma sœur, je sais qu'il agira pour toi et avec toi. Tu seras relevé et raffermi au nom puissant de Jésus-Christ. Tu vas renaître de tes cendres comme le phénix renaît pour s'envoler dans les cieux. Oui, il agira en ta faveur, car c'est un Dieu fidèle. Il ne change pas, il reste toujours le même. Je ne sais pas comment, mais je sais qu'en son temps, il agira pour toi. Dieu te connaît mieux que personne. Il voit tes peines, il voit tes larmes, la tristesse qui est dans ton cœur. Il comprend ta douleur, tes souffrances, ton découragement. Mais aujourd'hui, il pose sa main puissante sur ton épaule pour te dire à quel point il a compassion de toi et qu'il n'a pas fini avec toi. Il désire consoler ton cœur, guérir tes blessures et soigner ton corps. Mais la souffrance a tenté de te faire oublier qu'il est Dieu. Il est ce Dieu qui a créé les étoiles, le soleil et la mer. Mais qu'il est aussi ton Père et qu'il prend bien soin de toi. Et mon frère, ma sœur, s'il peut calmer la tempête qui s'abat sur ta vie, il peut aussi redonner la paix à ton cœur qui est agité en ce moment. Oh oui, je sais qu'il agira. Il agira pour toi. Il fera encore quelque chose en ta faveur. Il reste toujours le même. Il ne change pas. Il est Dieu et il ne change pas. Il n'abandonne pas. Il combat pour toi et avec toi. Il entend tes pleurs et veut sécher tes larmes. Il connaît ton malheur et désire faire ton bonheur. Il comprend ta douleur et veut apaiser ta souffrance. Il veut guérir ton cœur et te combler de bonheur. Mon frère, ma sœur, quand le ciel te semble sourd,
Souviens-toi que dans son amour, il a promis de te soulager. Il a promis de te libérer. Il a promis de te délivrer. Il a promis de t'exaucer et de te combler. Alors, accroche-toi, car bientôt, la victoire, tu chanteras. Tout comme il l'a fait pour Moïse, toi aussi, tu passeras cette épreuve pour rejoindre ta terre promise. Tout comme il l'a fait pour Daniel, il te délivrera de la fosse au lion dans laquelle tu es descendu. Tout comme il l'a fait pour Shadrach, Meshach et Abednego, il te gardera de la fournaise ardente afin que sa gloire éclate au milieu de tes circonstances. Oui, mon frère, ma sœur, mon Dieu a promis de te délivrer. Celui qui était courbé sous les fers sera relevé. Celui qui était immobilisé par les chaînes et enfermé dans des prisons fermées à double tour sera délivré au nom de Jésus-Christ. Car sur ta vie, il a formé des projets de paix et de bonheur, un avenir et de l'espérance. Il a ordonné à ses anges de te garder de tout danger. Voilà pourquoi ses promesses sont certaines. Tu peux te confier en lui. Tu peux te reposer sur sa parole. Tu peux lui faire confiance. Tu peux lui faire totalement confiance. Faire confiance en celui qui se nomme Jésus. Alors, mon frère, ma sœur, accroche-toi, car bientôt, la victoire, tu chanteras. Mon Dieu est fidèle. Il a promis qu'en Jésus, tu aurais la paix. Tout ce qu'il promet, mon Dieu le fait. Tout ce qu'il a fait pour Élie, il le fera aussi pour toi. Tout ce qu'il a fait pour Esther, il le fera aussi pour toi. Tout ce qu'il a fait pour Abraham, Isaac, Jacob, Joseph et tant d'autres, mon frère, ma sœur, il le fera aussi pour toi. Car tout ce qu'il promet, mon Dieu le fait. Il est un Dieu fidèle. Il est Dieu et il ne change pas. Il reste toujours le même. Il est Dieu et il n'abandonne pas. Il ne se lasse pas. Il ne se fatigue pas. Il fera tout concourir pour ton bien. Sa force est sans pareil. Sa puissance est sans égale. Oui, il agira pour toi. Il te relèvera de tes cendres et te fera prendre ton envol comme un aigle qui s'élance pour s'envoler au-dessus des nuages. Je sais qu'il le fera pour toi. Je ne sais pas comment, mais je sais qu'en son temps, il agira. Tu renaîtras de tes cendres, encore plus fort qu'auparavant. Tu seras béni jusqu'à la millième génération. L'ennemi est vaincu sur ta vie. Il a tenté de te stopper. Il a tenté de te bloquer. Mais l'ennemi est vaincu sur ta vie, car Christ a tout gagné à la croix. Et maintenant, il te rend plus que vainqueur. L'Éternel a parlé, et ainsi, sa gloire sera révélée. Mon frère, ma sœur, saisis-toi de cette parole et laisse-la germer en toi. Commence à chanter, commence à danser, commence à le louer, à l'adorer, à le remercier pour la délivrance qu'il va opérer dans ta situation, au nom de Jésus-Christ. Mes bien-aimés, j'aimerais terminer ce moment de prière en priant pour vous, afin que l'Éternel étende sa main puissante et vous délivre de tout ce qui vous oppresse en ce moment. Seigneur, je viens devant le trône de ta grâce pour te remettre mes bien-aimés entre tes mains puissantes. Je te prie de les bénir bien au-delà de leurs attentes. Je te prie de les rejoindre en ce moment même par ton esprit et de les guérir de toutes leurs maladies, de toutes leurs infirmités. Seigneur, toi qui détiens tout pouvoir et toute autorité, sur la terre et dans le ciel, dans le visible comme dans l'invisible, dans le surnaturel comme dans le naturel, envoie donc ta parole et guéris-les. Envoie tes anges et fais-les échapper de tout mal et de toute apparence de mal. Fais-les renaître de leurs cendres et qu'ils soient embrasés par le feu de ton esprit. Touche-les maintenant. Ouvre un chemin là où il n'y a rien. Prononce des paroles de vie à leur égard et fais-les sortir de leur situation au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je déclare qu'ils sont victorieux au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je déclare que tu es l'alpha et l'oméga dans leur vie et que tout ce que tu as commencé, tu l'amèneras
à son plein accomplissement. Je déclare maintenant que tu agiras en leur faveur, peu importe les difficultés qui s'élèvent dans leur vie, la grandeur, la complexité et leur nombre, tu les rendras plus que vainqueurs au nom de Jésus. Seigneur, je déclare que tu leur rendras la vie en abondance que tu leur as promise, que tu leur rendras au double de tout ce qu'ils ont perdu et au centuple de tout ce qui leur a été volé. Seigneur, je déclare que tu es celui qui guérit toute leur infirmité et toute leur maladie. Aucune n'est assez puissante pour s'opposer à ta guérison. Tu es celui qui a tout pouvoir et toute autorité sur leur vie. Que ce soit sur le plan charnel, émotionnel ou spirituel, je déclare maintenant la guérison totale. Viens, Seigneur, et fais un miracle dans leur vie. Maintenant, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, fais renaître de leurs cendres le vaillant héros que l'ennemi a tenté d'abattre pour qu'ils n'atteignent pas leur destinée. Seigneur, je déclare maintenant que tout avortement des plans divins que tu avais en réserve pour chacun d'entre eux est nul et sans effet. Il n'a aucun pouvoir au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous nous attendons à toi. Maintenant, en ce moment, viens nous modeler comme tu le veux. Ne permets pas que nous nous endurcissions entre tes mains. Aide-nous à rester de l'argile malléable entre tes mains, afin de devenir des vases d'honneur utiles pour ton royaume. Seigneur, je déclare que nous sommes plus que vainqueurs. La mort n'aura pas le dessus dans nos vies. Nous refusons de nous laisser influencer par les circonstances qui sont devant nos yeux. Et nous reconnaissons que tu es tout-puissant et qu'à toi, rien n'est impossible. Rien ne peut s'opposer à tes plans divins pour notre vie. C'est pourquoi nous allons donc demeurer fermes dans notre foi et continuer à garder confiance en toi malgré les circonstances contraires qui peuvent s'élever devant nos yeux. Nous nous en remettons à toi, Seigneur. Nous te donnons notre cœur, notre vie, notre temps, notre consécration. Prends tout, Seigneur. Prends nos mains et utilise-les. Prends nos pieds et guide-les vers toi. Fais-nous renaître de nos cendres et fais-nous entrer dans les plans divins que tu as établis pour chacun d'entre nous. Fortifie-nous par ta main puissante et restaure-nous dans tous les domaines de notre vie pour la gloire de ton nom. Ordonne donc à ces os desséchés que nous sommes de revivre afin que nous accomplissions la mission pour laquelle tu nous as créés. Seigneur, agis en notre faveur maintenant. Oui, agis afin que ton nom soit élevé dans notre génération, dans notre vie, dans notre foyer, dans notre famille et partout où ton nom est invoqué. Père, je te prie pour mes bien-aimés, je te prie de les garder sous tes ailes, sous ta protection divine. Fais encore concourir toutes choses pour leur bien, afin que ton nom soit élevé dans leur vie et au siècle des siècles. Ainsi, je t'ai prié pour eux, au nom de Jésus. Amen.